Dans cette séquence, je vais vous présenter la gestion des préférences dans iOS. En fait, lorsque vous souhaitez gérer les préférences dans une application, vous avez grosso modo deux possibilités que l'on peut prendre en charge dans iOS. La première, c'est de gérer les préférences au niveau de l'application. Et dans ce cas-là, vous allez avoir une vue dédiée pour les préférences et vous allez pouvoir avoir envie de stocker les données de préférence dans un fichier. Donc ça, c'est une première technique. On verra dans une séquence ultérieure comment stocker des données brutes. Et ça veut dire que, quelque part, vous échappez à la mécanique des préférences du terminal. L'autre possibilité, c'est d'utiliser un bundle setting qui va en fait vous permettre de mettre les préférences de l'application au niveau des préférences du terminal. Si vous regardez dans les préférences du terminal, vous avez d'abord les préférences propres au terminal, par ordre d'importance croissant, enfin décroissant plutôt, les plus importantes devant, par exemple la connexion Wi-Fi, des choses auxquelles vous accédez souvent sont plutôt devant. Puis après vous avez les aspects liés à la sécurité, puis après des choses un petit peu plus fines. Et puis derrière, vous avez un espace pour les préférences des différentes applications. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous créez un bundle setting et que vous le positionnez correctement, eh bien ce bundle setting va vous projeter les préférences de l'application au niveau des préférences du terminal. Et c'est dans la plupart des cas de figure simples ce que vous avez envie de faire. Je vais donc vous montrer rapidement comment on crée un bundle de préférences dans Xcode. C'est tout simple. Ici, on demande un fichier supplémentaire. Et nous allons sélectionner, donc on l'a ici, vous voyez, il est présélectionné, le setting bundle. Donc, on peut lui donner un nom différent de celui qui est donné par défaut, mais bien évidemment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et à ce moment-là, si on regarde, vous voyez que vous avez eh bien, un certain nombre de choses à l'intérieur. En particulier, vous avez mécanismes qui permettent de faire de la localisation linguistique. Et puis, vous avez surtout eh bien, ce fichier plist qu'on peut regarder, hein, qui vous donne ici un certain nombre d'éléments dans le bundle que nous allons présenter rapidement. Là, ici, je lance l'application qui n'a rien, mais bien évidemment, ce n'est pas extrêmement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe. Et donc, ici, je vais aller au niveau des préférences. Voilà. Et ici, je vais trouver les préférences. Et en fait, donc je peux les regarder ici sous la forme XML. Mais vous voyez que j'ai ici un groupe qui s'appelle groupe avec derrière eh bien, un attribut name, un une préférence name, une préférence enabled et puis ici une préférence sous forme d'un slider. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant on va regarder plus en détail. Donc lorsque vous avez ce bundle, vous devez remplir donc le fichier XML qu'on a vu et vous avez un certain nombre de catégories dans la playlist. Donc vous avez ici un groupe. Le groupe, ça permet en fait de faire un groupe de préférence qui va avoir un titre. Le titre, ça va être le header de ce groupe. Vous voyez que la présentation qui ressemble beaucoup à celle d'un UI Table View. C'est intentionnel. Donc groupe, titre. Vous avez ici multivalued. Je n'en ai pas ici, mais en fait, c'est un choix de une valeur parmi n. Vous avez ici slider. Slider, c'est celui-là. Vous avez ici text field. J'en ai un là, un là, un là. Ici avec un clavier et un texte en clair, ici un clavier et un texte crypté, enfin crypté, vous ne voyez pas une fois que vous les tapez ce que ça donne, et ici avec un clavier numérique. Et puis vous avez ici le toggle switch, quelque chose qui est activé ou qui n'est pas activé.
Ensuite, vous avez une API qui vous permet d'accéder aux propriétés des préférences. Donc pour cela, vous passez par un objet qui s'appelle NSUserDefault en Objective-C ou UserDefault en Swift. On commence à avoir l'habitude. Et l'idée, c'est que vous allez pouvoir récupérer une référence vers cet objet via l'attribut ou la primitive, je crois que c'est une primitive, StandardUserDefault. Et vous pouvez récupérer les choses sous différentes formes. Si vous connaissez les valeurs attendues des préférences, vous pouvez récupérer le booléen associé à une clé, la donnée associée à une clé, le dictionnaire associé à une clé, l'entier de type double, enfin la valeur de type double associée à une clé, le flottant associé à une clé, l'entier associé à une clé, la chaîne associée à une clé ou l'URL associée à une clé. L'idée, c'est que lors de la première exécution, vous soyez éventuellement amené à gérer manuellement l'existence de valeurs par défaut, mais que si des valeurs ont été positionnées par l'usager dans les préférences, eh bien, elles y soient. Donc en gros, le principe, c'est je regarde s'il y a quelque chose dans les préférences, et s'il n'y a rien, eh bien, moi, je vais positionner des valeurs par défaut. Et pour écrire des préférences, eh bien, vous enregistrez un dictionnaire via register default. Mais vous n'allez pas écrire les préférences au niveau du terminal. Le seul moyen de le faire, c'est d'accéder au terminal, enfin aux préférences du terminal. Vous allez les écrire pour la durée de vie de l'application. Vous pouvez également, au niveau de l'application, renvoyer vers le panneau de contrôle dans les préférences pour cette application-là. Et pour ça, vous allez invoquer une URL dédiée qui est définie via une constante. La constante s'appelle UI Application Open Setting URL String. Et l'idée, c'est que vous allez ensuite invoquer cela comme une application via UI Application Open. On a déjà vu ça dans d'autres séquences. Et ça va invoquer le panneau de préférence pour votre application. Alors, il faut quand même que vous fassiez attention aux aspects sécurité. En particulier, il faut que vous sachiez que le stockage par défaut des données est insécure, en ce sens que c'est stocké dans un fichier plist de type XML. Et donc, il est accessible en clair. Alors, il est accessible en clair, c'est pas aussi simple que ça, mais par exemple, dans les données du simulateur, ou pire, dans l'espace de sauvegarde de votre terminal. Donc, évidemment, c'est un peu plus difficile de récupérer si la sauvegarde en question est cryptée. Vous savez, vous avez la possibilité de crypter la sauvegarde de votre terminal. Donc, en gros, pour les préférences classiques qui n'engagent pas de confidentialité ou de trucs compliqués, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser ce mécanisme. Si c'est plus compliqué pour des données qui sont sensibles, il vaut mieux préférer un mécanisme qui s'appelle Keychain. Donc Keychain, c'est une version simplifiée du trousseau de clés de macOS. Donc dans macOS, vous avez un système de trousseau d'accès qui est extrêmement sophistiqué. Mais par contre, la grosse différence, c'est que vous avez un cryptage des données. Et c'est-à-dire qu'en fait, les données sont stockées de manière cryptée. Et par conséquent, même si vous les récupérez, elles ne seront pas récupérables en clair. Et l'application, bien évidemment, n'accède qu'à ses propres données. En plus, c'est stocké pas au niveau des panneaux de préférence, mais plutôt à des endroits un petit peu plus planqués, et c'est un petit peu mieux fichu. Quelques mots sur Keychain. Alors, j'ai essayé de regarder, j'ai l'impression que ça n'a pas changé. Donc, c'est une couche qui est assez ancienne, donc on retombe en C. À mon avis, ça va changer tôt ou tard, cette histoire. Il faut importer security, security.h, et vous allez les manipuler sous forme d'un dictionnaire de données. Et c'est l'application qui va choisir les clés du dictionnaire. Ensuite, vous avez un système d'ajout, de mise à jour, de destruction ou de comparaison des entrées. Et vous comparez toujours des entrées après encryption, encryption que vous ne maîtrisez pas forcément. Et puis, vous avez différents niveaux de protection pour chacune de ces données. Vous pouvez par exemple dire que la donnée est accessible quand c'est déverrouillé seulement, quand c'est seulement après le premier déverrouillage. Donc, vous exigez un déverrouillage ou tout le temps. Et les données catégorisées de cette manière-là peuvent être migrées d'un terminal vers un autre. Ça veut dire que typiquement, elles vont être sauvegardées dans la sauvegarde. Et si je réutilise la sauvegarde pour récupérer mes données et les transférer d'un terminal à un autre, eh bien, elles seront transférées. Les trois autres, c'est le même pendant que celle-là, sauf que c'est sur ce terminal uniquement. Et la grosse différence, c'est que, eh bien, elles ne seront jamais sauvegardées.
Elles ne seront donc jamais migrées sur un autre terminal. Et ça veut dire que si vous récupérez les données de l'application du terminal A que vous utilisiez vers un nouveau terminal B que vous allez utiliser, eh bien, il vous faudra re-rentrer ces informations au moment où vous allez avoir la première utilisation de votre application. Donc, c'est quelque chose de plus sécurisé. Donc, voilà en gros le principe pour les méthodes et le reste. Je vous recommande d'aller voir le fantastique manuel. Alors, en guise de conclusion, ben, il n'y a pas grand-chose à dire. On a vu qu'il y avait un moyen standardisé de gérer les préférences, que ce soit de manière non encryptée ou de manière cryptée. Ça permet de particulariser le comportement de vos applications, de stocker des informations qui ne seront pas rentrées régulièrement. Enfin, je n'ai pas à vous faire l'article de l'intérêt d'avoir des préférences pour une application. Je vous recommande donc d'utiliser dès que possible. Vous voyez que ce n'est pas extrêmement compliqué. Dans une séquence ultérieure, on va voir un exemple simple et vous verrez que vous ne comprendrez pas comment vous avez pu vous en passer et comment vous pouvez vous en passer dans le futur. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.